La cité Aline Sitoué Diatta a refusé du monde ce jeudi 30 juin lors de la conférence religieuse organisée par le collectif des filles de l'UCAD. Oustas Irandao était le conférencier. À part Sidouna Mohamed, Djigien n'a pas été dans l'islam. Djigien n'a pas été dans l'islam. Djigien n'a pas été dans Sidouna Mohamed. Il a été dans l'islam. Am ngeen ni cher di waye bu ngeen topé samba sugum ngay ci yakko il faut ngeen dello mohammed ndukal jigen la ñeuk tour deretam diine ji ñuy keut keut ñun goor ñi di sopp li ngeen ci def ci début ba defu ñuko bañ ne beurek su maye lañu pande yew ko ci tanki gelem ndigi gelem dak gelem ya xar soxna ci jam xej ci awram ba ci gemiñam ñi top ko jassi bu musul mune yena xam way allahu wahidun la sharika lahu wa muhammadur rasulullah yalla kenn la luñ ma ci def jaral namako ki tax ngeen tiye ma nak bëgg na ko gëm na ni yalla ko yoni na de ci ñaari kërëg yonentu ba ngi taxaw ci naaj yu ni ñi taxawé ñu wo ko ne ko kay xol wa kër yasir mu ñew tekkale gi ci bop bi seen ndaw ci def ni ñu koy wajare nakale seen yonentu bi rek mustafa xol ko rek suma yëm mu ndax bi ci gis gi ngi ci yonentu suma yëte mu ñi di ko ray muy ré niki mustafa lay xol yenentou bi niko isbiru ala yasira maskanukumul janna muñ len yalla xamal na ma fi ma taxaw ne bu sa ruugi wad rek ya nga aljana suma yett jigen la law jigen ñeuk de ci diine bi su di diine yahud jif jigen na fa ñeuk de muy asiyatu jabaru firawn dama ni diine jifi la wax jigen la ñeuk ray muy asiyatu jabaru firawn dañ ko pandre daj ko Ramatoulaye Barry, présidente du collectif des filles de l'UCAD, a livré ses impressions. Cette journée, ce n'est qu'un objectif à promouvoir la solidarité au sein du campus social dans le cadre de la participation de cet espace universitaire. Et aussi par ma voix et par la, à travers les membres du collectif. Nous remercions cher Omar Anne, le directeur de COUD, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous remercions aussi l'équipe de communication de COUD. Nous remercions aussi la directrice de la cité Claudel, qui est Madame Thiam, qui elle aussi qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Nous remercions tous les membres et toutes les résidentes de la cité Claudel qui ont contribué massivement à la réussite de cet événement. Donc cet événement n'est rien d'autre pour montrer la solidarité entre étudiants et l'administration au niveau de COUD. Bien sûr, parce que le mois de Ramadan quand même, c'est le mois où on montre plus la foi, où on est en mesure de promouvoir la foi, la solidarité, etc. etc. On dit merci à Dieu. C'est grâce à Dieu et grâce à tous ces gens qui nous ont soutenus. Et vraiment, nous vous remercions. Nous remercions aussi la cellule de communication qui a lancé surtout la communication de cet événement. Nous remercions tout le monde. C'est grâce à Dieu. Alhamdulillah. Le collectif des filles de l'UCAD ne compte pas s'arrêter à cette manifestation. D'autres seront organisées après le Ramadan.